présente la version 2 de mon petit radar à ultrasons. J'ai bien amélioré les timeouts et j'ai aussi amélioré l'affichage. On voit que j'ai deux obstacles sur la direction de mon balayage. Un petit carré là et le scotch là-bas. Et on voit à l'écran le résultat. On voit l'affichage est beaucoup plus propre qu'avant avec la version 1 et c'est surtout plus continu. On voit les deux distances. Si je regarde ici, on voit bien qu'on a à peu près cette proportion-là et on le voit ici. Si on regarde le petit, c'est beaucoup plus régulier.